Des jeunes musiciens avec France Musique. C'est une soirée toute spéciale, vraiment, à laquelle nous vous convions. Une soirée préparée par les étudiants de l'ICAR, cette école des métiers de l'art qui, depuis plus de 50 ans, s'impose dans la vie artistique, culturelle, dans notre capitale, mais bien au-delà. Alors, la genèse de cette formidable aventure est toute simple. Un jour, elle a débuté il y a quelques mois. Un jour, une élève de l'école est venue me trouver, et d'ailleurs, je la salue parce que je pense qu'elle est dans la salle ce soir. Merci Léna Bureau. Elle est venue me trouver pour me proposer de créer un prix musique dans le cadre d'Ocora Couleur du Monde, l'émission des musiques du monde, des musiques de notre monde sur France Musique. Et c'était parti. Ils ont été plus d'une trentaine il y a quelques mois de faire le pari de créer ce prix, de préparer absolument tout, de tout imaginer, de tout concevoir. Pierre Villers et moi les avons accompagnés depuis le début. Marie-Alice Foulquier a assuré le suivi. Mais c'est eux qui nous proposent ce soir cette expérience radiophonique avec la création de ce prix. Donc vous allez entendre six finalistes. Ah ben bonsoir. Bonsoir Françoise, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, sur France Musique, dans l'émission Au cours à couleur du monde, nous allons partir en voyage. En effet, le prochain groupe est une invitation de voyage vers les steppes de l'Asie de l'Est. C'est un groupe composé de deux musiciens, Susanna, pianiste formée à la musique classique occidentale, et de Mador, joueur à la vielle à tête de cheval, qui est formé à la musique traditionnelle mongole. Ils vont nous jouer leurs deux morceaux, Murim Tuvargan et Altargana, Madame Monsieur Vassy, Gopi Rhapsody. Thank you.
s'appelle Morin Turgun, ça veut dire galop de cheval. Et on va continuer avec un morceau qui s'appelle Altargana. Altargana, c'est une fleur qui pousse en Mongolie, plus précisément dans la région de Gobi. C'est une fleur qui est très résistante parce qu'elle a des racines profondes et on dit qu'elle résiste aux températures les plus extrêmes. Donc voilà, cette chanson, c'est une sorte de poème philosophique et métaphorique sur la famille et sur les liens profonds qu'on peut avoir avec nos parents.
Bobby Rhapsody avec Susanna et Mador, alors, avec cette inspiration des grandes steppes d'Asie centrale, avec cette vieille Maureen Hoare à tête de cheval, avec ces bruits du vent qui nous ramènent vraiment dans un lointain voyage. Donc c'est Amal, donc on va retrouver. Bravo. Je pense qu'au nom de tout le monde, je peux vous dire merci pour ce moment de partage, de cette belle performance tellement émouvante. Alors, mes questions. En fait, comment elle est venue cette idée de former ce groupe-là? Vous venez de deux univers musicaux tellement différents, mais qui créent autant de richesses et de beauté. Oui, alors Bobby Rhapsody, c'est un peu parti d'une rencontre hasardeuse. J'étais à la recherche d'un Maureen Hoare, l'instrument de mandat, pour un spectacle musical dans lequel on utilisait des instruments traditionnels. Et je ne trouvais pas, donc j'ai fini par les voir sur Le Bon Coin. Et je suis tombée sur une âme de mandat qui vendait ces instruments. Donc, je t'ai appelée et voilà, tu m'as vendu un Maureen Hoare. Et par la suite, on a été amené à se revoir toujours pour ce même spectacle. Et on l'avait contacté pour participer à un festival autour du piano, donc il avait besoin d'un pianiste. Et à partir de là, il m'a proposé de travailler avec lui. Et c'est vrai qu'on a fait une première répète un peu étonnante, mais après on s'est dit qu'on allait continuer, c'était chouette, quoi. Et c'était il y a 2 ans et demi, ça. Super, merci Susanna. Alors, peux-tu nous parler un peu plus de ton instrument et de cette technique de chant? Oui. Alors, mon instrument qui s'appelle Maureen Hoare en mongol, et en français on peut dire une ville à tête de cheval, parce qu'il y a toujours une tête de cheval. En Mongolie, vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de chevaux. Et donc, il n'y a que deux cordes. Les cordes aussi, c'est crâne de cheval. Et le chant, on dit en mongol, c'est Khumei. En français, on peut dire chant diphonique. Et donc, c'est une seule personne pour chanter plusieurs timbres différents. Donc, en Mongolie, il y avait à peu près 12, 13 styles différents de chant vocal. Et donc, qui vient plutôt de la gorge. De la gorge, et bon, respiration, et utiliser la langue aussi pour les harmoniques, et aussi grand. C'est une imitation en fait. Tout simplement, les nomades, ils ont imité autour de la vie de nomades plein de sonorisations très intéressantes. Donc, surtout les animaux, troupeaux, et aussi la nature. Donc, rivière, le vent, les oiseaux, etc. Plein de sonorisations, ils ont imité. Donc, avec notre voix, on peut faire plein de possibilités. Merci, Mada. Merci. Alors, vous pouvez nous parler aussi de vos projets futurs? Comment ça va se passer? Alors, on a deux gros projets en chantier là, pour cette année. On a un projet d'abord d'enregistrement d'album, de premier album. Donc, tout notre répertoire est prêt. On a composé... tout un tas de morceaux originaux à partir de chants traditionnels mongols. Et donc tout est prêt, on est en train de s'entourer pour ce projet, on est en train de s'entourer artistiquement et tout le reste. Voilà, et ensuite on a un deuxième projet assez important qui est un spectacle musical dédié au jeune public qui est produit par la compagnie dont on fait partie, c'est la compagnie de 7h10. Et coproduit aussi par les Jeunesses Musicales de France. On va travailler avec eux pendant 2 ans à partir de l'année prochaine. Donc voilà, a priori, on devrait partir en tournée pour présenter ce spectacle pour les enfants. Voilà. On pourrait vous contacter, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On peut vous trouver sur Facebook? Oui, on est sur Facebook au nom de notre duo Gopi Rhapsody. Et puis vous pouvez aussi trouver des informations sur nos projets sur le site de la compagnie de 7h10 et sur YouTube aussi, on a quelques vidéos. Voilà. Bah, très bien, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Bravo. Merci.